Génial tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Princess Peach Showtime. Nous avions la dernière fois libéré l'étincelliste ninja, puis on avait fait un niveau en tant que Peach voleuse. On était en discrétion la dernière fois, et donc le niveau en Peach voleuse c'était le deuxième, donc on doit avoir libéré la porte de la Peach voleuse, de l'étincelliste voleuse plutôt. Donc on va retourner tout de suite à l'étage moins 1 et on va aller dans la porte de la voleuse pour sauver un étincelliste de plus, voilà. Alors, du coup, ah bah c'est parfait, tiens. Hop, ça a l'air d'être ici, comme ça on va pas chercher bien loin. Prison sombre et guet-apens. Ok, et eh bien écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va rentrer dans cette porte. Et on va voir du coup ce qui nous attend. Alors, on nous a dit prison sombre, c'est ça? On va être emprisonné? Ou, enfin, pas nous, mais en tout cas, l'étincelliste va peut-être être emprisonné. Je ne sais pas, on va voir. C'est parti pour un nouveau niveau et surtout une nouvelle un nouveau sauvetage, voilà, une nouvelle hop, intervention de Peach. Ok. L'étincelliste devrait être quelque part par ici. Ok. Ah, on a un coffre. Ouah, mais qu'est-ce que c'est? Entrons dedans. Ok, est-ce que avant je peux aller voir plus loin? Ok, parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une étoile? Ok. Alors, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Bah justement, l'étincelliste voleur. Étincelliste voleur, tu t'es fait capturer! Tu dois être. Tu tombes à pic, j'ai besoin d'aide. Il y a quatre verrous, tu peux les désactiver. Ok, et bah écoute, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire ça, et je suppose qu'il va falloir aller à chaque fois d'un côté différent. Voilà, attention, attention! Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis complètement planté. Je me suis complètement planté. Hop, voilà. Ok, faut que je reprenne un petit peu en main le coup, là. Là, je peux faire ça. Très bien. Et du coup, je peux rentrer ici. Ok. Alors, faut que j'aille par là. Ok, faut que j'aille par là. Très bien. Là, on a des pièces. Vas-y, encore. Je descends petit à petit parce que... Ok, j'avais un petit peu peur. Alors, là, déjà, il y a quelque chose à faire. Ok, la petite plaque au sol. Bien. Allez, on va avoir accès à un endroit à part. Bien. Ok, donc ça. Ok. Oh, parfait. Et hop, notre première étoile, qui est la deuxième. Alors, en vrai, c'est la deuxième, mais vu qu'à mon avis, on peut faire les niveaux dans l'ordre qu'on veut, on va pas trop s'y fier à l'ordre. Donc, on va regarder. Parce que là, on a commencé, il y avait quatre verrous. On a commencé par celui qui était en bas à gauche. Mais ça se trouve, le premier, c'est celui qui était en haut à gauche. Je ne sais pas. Alors, avançons par là. Par contre, ouais, j'allais dire... ouais, alors on vient là. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc là, je vais venir de ce côté. Ok. Alors, je peux m'accrocher à ça. Je peux venir là. Mais je peux venir là, surtout. Ok. Et là, je peux activer ça. Très bien. Et je peux activer ça aussi. Ah. Ok. Et là, si j'active ça, ça fait quoi? Ça baisse. Et ça, ça l'envoie sur le côté. Et si je fais ça, maintenant... Ah. D'accord. Et ça... Et ça... Ok, j'ai pas trop compris comment ça s'ouvrait, comment ça se fermait, mais soit... Alors attends, parce que du coup, là-haut, si je vais là, ça m'emmène où? Ok, ah! Ça m'emmène ici. Je n'ai touché à rien, mais ça s'est fermé. Ah, bah voilà, parfait! J'ai bien fait d'être curieux. Ici, c'était pour le ruban. Et bah voilà, on aura le ruban. C'est parfait. Ah mince! Attends, j'ai voulu me... Je fais n'importe quoi. J'ai voulu me raccrocher... Hop, au truc, et je l'ai loupé, et du coup, ça a réactivé le bouton. Alors, attends, est-ce que je peux venir ici? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Ah bah là, c'est le premier verrou, je suppose. Je suppose que ça va ouvrir le chemin. Hop, vers... Ok. Bien joué, plus que 3.
Ok, et eh ben let's go, on va aller dans cette porte-ci. Ok, j'aime bien en vrai. J'aime bien. Oh, j'ai totalement foiré ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, du coup, là je peux sauter là. Ah mince! Attends. Ouf. J'ai failli me rater là. Ok. Ouf. C'était limite, hein. Alors là, je peux m'accrocher là. Ok. Pour faire ça. Ok. Et là, je peux aller au-dessus. Bien. Oh, c'est vrai que... Un peu tendu, ça. Oh, alors là, il y a des fragments. Il y a des fragments. Donc là, clairement, on va essayer de pas trop en louper. Ok, on en a deux. Je crois qu'il en faut... Combien? 8? Je sais plus exactement. Ok. On va essayer de récupérer tout. Ok, j'ai vu qu'il y en avait là. Il n'y a pas de souci. On prend notre temps. Ok, il n'y avait rien en bas. Je voulais vérifier ça avant. Alors, du coup... Voilà. Ok, j'en ai eu deux là. Ah bah, puis il y en a deux ici aussi. Ok, donc il ne m'en manque plus que deux autres. Ok, et je viens là. Et bah voilà, ils doivent être là. Ok, voilà. J'ai... Le premier, voilà, je l'avais dit qu'il fallait pas trop faire attention à l'ordre, parce que du coup, hop, on pouvait faire les portes comme on voulait. Ok, et là, du coup, on peut débloquer. Bien. La deuxième. Hop, et on doit pouvoir, voilà. Très bien, plus que deux. Parfait. Bah, limite, on va faire celle-ci, parce que dans l'ordre, je pense qu'ils ont fait gauche-droite, enfin, haut-gauche, haut-machin. Alors là, par contre, je suis coincé. On va faire ça. Ok. Alors, est-ce que ça donnerait quelque chose de remonter le truc? Je ne sais pas. Ok. Ah! Ok, alors, est-ce qu'il faut que je fasse ça et que je vienne là? Ouais, je m'en doutais un petit peu, j'avoue. Je m'en doutais un petit peu. Ok, là je viens là. Et là je fais ça. Ah, ça monte encore. Ok, et si je le retouche. Et que je le retouche, est-ce qu'il redescend? Ah non. Ok, donc faut que je fasse ça. Et que je passe, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir aller chercher les pièces. Ok, bien. Et là par contre, faut que je fasse ça. Alors attends, en vrai, j'ai quand même envie d'essayer un truc. Je peux pas passer en dessous, là? Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Alors attends, vas-y, accroche-toi là. En fait, il faut que je fasse ça. Et que je fasse ça. Hop. Ok, ouais, c'est tendu, hein. C'était tendu. Ok, ouh, là, là c'est pareil, c'est un peu tendu. Ouf, la petite vie là, la petite vie qui fait plaisir. Ok. Ouais. Oula. Oh, bah je voulais pas aller là. Mais à la limite, pourquoi pas. Ok, alors par contre. Ok. Faut que j'aille par là, du coup. Ouh, non. Non, j'étais arrivé. Ah, dommage. Dommage. Mais bon, j'ai eu l'étoile. Donc moi, ça me va. Ok, là on vient ici, très bien, là on vient ici, wow, ok, c'était rapide, mais c'est cool, ok, et là on va déverrouiller, hop, alors par contre j'ai pas vu l'étoile qu'on a chopée, c'était la combien, j'avoue, il en reste plus que un, ok, on y va, hop, allons ici, alors pour l'instant on en a eu une dans chaque... Dans chaque côté, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y en a une dans chaque côté, justement. Oula, j'avais pas tilté que... Ok, pas le bon timing. Là, c'est le bon timing. Ok. Oula. Ok, attention. Attention. Y a rien là au-dessus. Non, y a rien. Et par là, y a rien. Bon, a priori, y aura rien. Hop, tac. Ok, ouh. Chaud. Ok, là on peut aller là. Alors attends, parce que je peux aller là. Y'a rien par là? Y'a rien l'air d'avoir. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as lancé vers le bas là? Ok, alors attention. Ok. Et maintenant.
Hop. Ok. Bon, ça va. En vrai, je préfère ça comme timing. Non. Vite. Ouh. C'était tendu. C'était tendu, c'était tendu. Ok. Bon, ça va. On est à la limite. Hop. Voilà. J'allais dire, c'est là que j'avais pas réussi à m'attraper. Et... on y va. Ok. Et là, au moins, on est dans un endroit un peu stable. Alors, par contre... ok. Donc là, c'est pour déverrouiller le... oula ! Oula, 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 oula ! Ok. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah mince, j'avais pas tilté ! J'avais pas tilté ! D'accord. Ah, j'ai loupé un truc. Attends. J'ai loupé un truc, là, non ? Je pense que j'ai loupé quelque chose. Mince, dommage. Et par là... ah non, je n'avais rien loupé. C'était ici. Mince, je me disais justement, j'ai loupé une étoile. Mais non, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Donc là, on en a eu une dans chaque côté. Donc il nous manque une seule étoile. Et potentiellement, ça va être avec... avec lui. Formidable, il ne reste plus que le verrou central. Ok, on déverrouille. Alors, c'est bon. Yes, parfait. Ok, il nous soigne très bien, parce que j'avoue que c'était attendu. Merci infiniment, je te dois une fière chandelle. N'était-ce pas aussi éprouvant qu'amusant? Oui, en vrai, j'ai bien aimé. Ouah! Alors, c'était un piège. Retournons d'abord à la surface. Ok. Ok, il vient avec moi. Alors, c'était un piège ou pas? Oh, tout commence à s'effondrer. Partons par là. Ok, let's go. Let's go, let's go. Alors, faut qu'on fasse attention, il nous manque encore une étoile. Tu vois ce verrou, je vais m'en occuper. Ah, ok. Ok, très bien. Ok, à moi. Oh, c'est sympa, en fait. Ça fait un peu de la coop. Ça fait un peu de la coop. Oula. Ok. Ah, mince. Ok. Il m'a montré comment faire, mais je me suis planté. Ah, non. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, je suis au-dessus. Oh, c'est marrant. C'est marrant, en vrai. Hop. Hop. Ok. Bravo. Ne traînons pas, c'est dangereux ici. Ok, là, faut qu'on le fasse tous les deux en même temps. Ok. 3, 2, 1, maintenant. Ok, en plus, il a vraiment dit maintenant, ça m'a fait rire. Ok, parfait. Vas-y, viens avec moi. Viens avec moi, viens avec moi. Alors, oula. Eh, le moment fatidique, échappons-nous en beauté. Vite. Vite. Ok. Alors par contre, j'ai loupé l'étoile, là, clairement. Clairement, clairement. Ah, mais non, elle est là, la dernière étoile. Parfait, c'était presque trop facile. Ah, cool. La sortie est un peu plus loin. Ok. Ah, on peut s'accrocher à ça, c'est vrai. J'avais oublié. Hop, mince. Ouh. Ok. Je me suis rattrapé tant bien que mal. Hop, parfait. Ah non, mince. Je sais pas pourquoi, ils m'ont fait peur. Ok. Ok, ok, ok. J'avoue que cette mécanique-là, on l'a pas beaucoup utilisée. Let's go. On s'enfuit. Profitant de ce courant ascendant. Et hop là. Et Delta Plane. Ah, c'est stylé. Cool. Cool, cool, cool. Eh bien, écoutez, je suis très content parce qu'on a réussi à avoir les 4 étoiles. Non, les 5 étoiles, d'ailleurs. Et le ruban. Donc... un niveau parfait, encore une fois. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content. Bien, ruban pour Stella, multicolore voleuse. Bien, on va pouvoir la changer, du coup. Et ça nous fait 5 étoiles en plus. Bien. Bien, 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 à suivre. Eh ben ouais, on verra, on verra, on verra. Mais pour l'instant, on a libéré l'étincelliste voleur. Et ça, c'est très cool. Allez, on est de retour, du coup, au niveau du théâtre. Un étincelliste de plus, ça fait le combien? C'est le 4e, je crois, qu'on libère, hein, il me semble. Bien. Alors. Nous infiltrerons ensemble leur repère. Bien. Parfait. Bah écoutez, déjà, on va se changer, puisqu'on a eu un nouveau petit ruban pour toi. Hop, voilà. Le ruban multicolore voleuse. Du coup, là, on avait le voleuse. Ah non, on n'avait pas le voleuse normal. Ah bah si, le voleuse normal, c'est ça.
Et le multicolore voleuse, c'est ça. Et par contre, on n'a pas, c'est la robe voleuse. Parce que j'ai dû rater la robe voleuse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, par contre, dans l'album, on doit avoir une nouvelle photo. Hop, où est-ce qu'elle est? Elle est là, du coup, cette photo-là, qui est donc la photo, parce qu'on a réussi avec toutes les étoiles ce niveau. Et ben, c'est très cool. C'est très cool, c'est très cool. Et maintenant, nous, on va pouvoir revenir à l'étage 3 et continuer les niveaux, puisque bah il a l'air de rester encore pas mal de petites choses à faire. Hop, et notamment, si je ne me trompe pas, on va découvrir un nouveau costume maintenant. Parce que du coup, on a fait la voleuse, là, on a fait l'étincelle voleuse, mais on a cette tenue-là, là, qui, pour moi, est une nouvelle tenue. Un conte de Kung Fu. Ok, et ben oui, effectivement, c'est le premier niveau de Kung Fu, a priori. Donc peut-être une pitch arts martiaux ou une pitch Kung Fu, hein, peut-être tout simplement. Je ne sais pas. Bon, et ben comme quoi, mine de rien, après plusieurs épisodes, plus d'une dizaine d'épisodes, on découvre encore des nouvelles tenues. Et ça, c'est très cool, justement, qu'ils aient réussi à disperser un petit peu les nouveautés, justement, au fur et à mesure. Allez. On est parti. Bah, du coup, on commence en pitch normal. Pitch time. Ok. Ah. Oh, je crois qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'école d'arts martiaux. Ok, bah, écoute, on va aller les voir. Oula! Et là, il se passe vraiment quelque chose d'anormal. Ouah, ça vient de l'école d'arts martiaux! Maître! Non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouah, pauvre Midal, tu ne sais pas te défendre! J'ai failli à mon devoir! Si seulement notre artiste martial était là, la situation est désespérée! Ouais, alors moi je peux pas y aller, il va falloir qu'on avance par là, non? Hop! Est-ce qu'on peut aller par là? Non? Qu'est-ce que je peux faire? Hop. Ah, mais toi, je peux te soigner, voilà. Oh, cette lumière! Ah, mais toi aussi! Voilà, c'est ce que j'essayais de faire, mais j'arrivais pas. Je me sens si fort! On peut prendre un autre chemin! Ah, voilà, c'est eux qui vont m'ouvrir la porte. Aide-nous, s'il te plaît! Vas-y, ouvre la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ok, oh, toi, je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu. Plein de pièces. Parfait. Alors. Ils sont arrivés jusqu'ici. Ah, pardon, fallait que j'avance. Hop, ok. Tiens, et toi? Hop, parfait, merci de ton aide! Bah écoute, de rien, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, mais il y avait une étoile! J'y suis vraiment allé en mode full hasard, et bah il y avait une étoile, ok. Nous devons sauver le maître! Très bien, et bah allons-y. Allons-y, allons-y. Oula, il m'a fait peur. Il m'a fait peur! Va-t'en! Ok. Ah, faut que je le fasse deux fois lui? Ah non, en fait, je peux rien faire avec lui. Une porte un peu plus loin. Et je peux l'expulser, non? Je peux rien en faire, en fait. Je veux juste l'étourdir. Il y a une porte un peu plus loin, mais nous ne sommes pas assez forts. Mais si, vous allez être assez forts, là. Allez! Bim! Oh, génial. Oh, j'ai hâte qu'on puisse faire ça, nous aussi. Dépêchons-nous! Très bien. Ah, il y a le symbole de Syrah qui est juste là. Oh! Ah non! On est bloqué! Vite! Ok. Vous ne passerez pas! Ne songez même pas à franchir cette porte! Un artiste martial saurait quoi faire! Tu as de grandes capacités et qui sait? Relève l'épreuve de l'artiste martial! Ah. Ok. Ah, c'est ça l'épreuve. Ok. Let's go. Je passe par là. Je passe par là. Ok. Hop, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, 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 ok. Y'a quoi dans les pots, là? Je peux rien faire? Non? Ah, si! Dans les lanternes! Les lanternes, on peut faire quelque chose pour avoir des petites piécettes. Parfait. Ok. Et ici? Oh! Encore! 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 Ah, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose... Ouh! Ouh! Il va falloir le mériter, ce nouveau costume, là. On le voit là-haut. L'étincelle bleue, elle est là. Ok, je me suis trompé de touche déjà, super. Et hop, amasse. Non. J'ai pas sauté assez haut. J'ai pas sauté assez haut, ok. Ok, fallait que je reste appuyé en fait. Ok, et donc du coup, nouveau costume qu'on va découvrir. Voyons voir à quoi on va ressembler. En maître des arts martiaux, kung fu, je sais pas.
Peach combattante, peut-être? Peach baston. Ouh. Ok. Peach Kung Fu, peut-être? Comment elle va s'appeler? Elle est stylée, en tout cas. Peach Kung Fu, c'est ça. C'est ça. Ya. Ok. Ah, cette artiste martiale, ça, la laissez pas passer. Ok, bon, on peut faire des prises. Enfin, pas des prises, mais des coups de pied. Allez, ta. Hop, bim. Allez, venez vous battre. Tiens, toi aussi. Ah mince, j'aurais pas dû faire le malin. Ok, il est où lui? Vas-y, viens me battre. Hop. Allez, j'ai tous battu là. Y'a personne qui veut se battre d'autre? Non mais oh, moi je vais leur régler leur compte à ceux-là, hein. Tiens, je peux pas te taper ce truc-là, là? Ah oui, parfait! Bien! Hop, tac. Oh, et en plus, il y avait une étoile dedans! Bien! Alors là, j'avoue que j'ai un petit loot. Je vais y aller vite fait. Ah, voilà. Je me demandais si c'était un passage secret, ou si c'était... ou si on avait perdu une vie. Hop, ok. Ah, je vais taper dans tout, maintenant! Tu es comme l'artiste martial! Ah, regarde, là, la porte, bim! Voilà! C'est comme ça que ça se passe! La technique est impressionnante, t'as vu ça? Aide notre maître, on s'occupe d'eux! Vous êtes sûr? Bon, ok, je vous les laisse. Moi j'avance, les gars! Yaaaaah! Oh, stylé! Oh, le bowling! Oh, le bowling, quoi! Ok, attention. Attention à eux, là. Hop! Attention à eux. Bim! Parfait, merci! Vite, par ici! Ok, on y va. Oh! Tu penses avoir une once de talent? Je vais m'amuser un peu avec toi. Hop, vas-y. Attends, il y a les commandes. Parce que moi, je bourrine. Tu vas faire un ennemi puissant, appuie sur B au bon moment pour le frapper. Ah, ok. Ok. Wouh! On est dans Street Fighter, là. Bon, ok, attendez. Au bon moment, ça veut dire quoi, au bon moment? Ok. Oh, c'était stylé, ça. Tu es moins pitoyable que je le pensais. Nous nous reverrons à l'école, si tu l'attends. Yes, bien. Ok, ah mince, j'ai loupé une étoile. Ah, j'ai loupé une étoile, mais je vais pas pouvoir revenir en arrière. Non, je pense pas, je pense que c'était avant. Ah, dommage. Bon, bah, j'ai loupé une étoile. C'est pas très grave, hein. Hop. Hey, let's go. Hop, tchou. Ok, stylé, hein. En vrai, encore une fois, on retrouve une Peach très dynamique, là, dans la manière de combattre. Ok, ouais, je casse les pots aussi, je casse tout. On casse tout, là, les pots. Bim. Les piécettes, c'est pas moi, les piécettes. Ok, la lampe, là. Attends, la lampe, il y a forcément quelque chose à faire, là. Attends, tu vas pas me dire qu'il y a rien à faire dans la lampe. Attends. Je la vois briller en plus, la lampe. Ou alors, attends, il y a peut-être quelque chose... Ah, attends, là, il y a quelque chose à faire. Pardon. Ah, mais ça allume la lampe, justement. Je disais, mais j'arrive pas à taper la lampe. Tiens, dans le pot. Oh, génial. Maître. Ok, je peux taper dans la table. Oh, oui. Oh, je casse tout, moi. Les pots. On a rien fait. Ok. Bim. Prenez la table. Toi, là. Hop, ous. Attends, je peux péter les poteaux. Hop. Ok, parce qu'on sait jamais, hein, s'il y a une truc. Ah, attends, là, ça, je peux rien faire, ça, de la charrette, là. C'est bizarre. Je peux rien faire de la charrette. Bon, ok, hein. Alors, maître. Vous, là, bim. Alors, on fait moins les malins, maintenant. Tu as vraiment vaincu avec style. Eh, t'as vu ça? Ok, ah, là, il y a un truc, là. Là, il y a un truc. Ok, faut que je fasse attention aux petits endroits avec des rochers comme ça, là. Ok, ah ça, par contre, c'est effectivement un peu galère, ça. Bon, au final, un peu galère, mais ça a l'air d'être quand même un petit peu guidé, on va pas se mentir. Hop, donc ça va. C'est pas si galère que ça, mais j'avoue que tout à l'heure, je me suis dit, ah mince, si t'atterris pas pile poil dessus, c'est un peu mort. Tu les as vaincus avec style, yes. Hop, non, bah, je peux rien faire. Allez, on avance. Ah, bah justement, tiens. On va en parler de ces petits piliers, là. Hop.
Hop. Oh là là, l'esquive. Oh non. Mince. Mince, mince, mince. Là, j'ai foiré. J'ai foiré, j'ai foiré. Et comment je peux faire? Ok, ok, ok. Ah non. J'en ai raté. Ah, j'en ai raté. Je suis déçu. Ah, je suis déçu. C'est eux qui m'ont perturbé. J'ai loupé une étoile. Elle était juste là. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage, c'est dommage. Oh. Oh, ok. Ok, donc les poteaux, on peut tourner autour. Très bien. Ok. Les pots. On casse les pots. On casse les pots. Je peux plus bouger. T'inquiète. Wouh, wouh. Wouh, wouh, wouh. Attends, attends. Je saute, je saute. Wouh, 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 wouh. Ok, bon, attends, parce que ils me jettent des pots, là. Lâchez-moi, vous. Oh. Oh, le bowling. Oh, le bowling. Hop. Parfait. Hop, t'inquiète, on va te sauver, toi. Ya, ya, ya. Parfait. Oh, vite. Du, 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 du. Parfait. Quel jeu de jambes. T'as vu ça? T'as vu ça, mon pote? Ah, c'était stylé, ça, en vrai. C'est assez sympa. L'école d'arts martiaux est par là. Ouais. Ouais, ouais, ok, bah écoute, on y va. On y va, on y va. Ok. Ton aventure s'arrête maintenant. Alors comment je peux faire en fait? Faut que j'attende qu'ils viennent vers moi? Faut que j'attende qu'ils viennent vers moi ou quoi? Comment ça se passe? Attends, je vais aller là. Ok, c'est ça en fait, faut que j'attende qu'ils viennent vers moi. Et tiens! Parfait. Hop, 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 hop. Ok, là ils viennent pas, là ils viennent pas. Vas-y, hop. Allez, venez. Allez, viens. Tiens, coup de pied. Coup de pied. Et toi pareil, coup de pied. Parfait. Ok, ah et du coup, vu que j'ai éliminé tous les ennemis. Ouah, par contre j'ai loupé plein de plein d'étoiles. Vu que j'ai éliminé tous les ennemis, du coup sur ces trucs là, ça m'a donné une petite étoile. Donc faut que j'essaye de les éliminer. Oh oui. Ah c'est ça, c'est génial ça. Ça c'est génial. Hop, par contre comment je fais pour monter? Ok. Ah, attends, 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 attends. Comment je fais pour monter plus haut? Alors attends, je vois que je peux peut-être y aller. Hop. Voilà. À partir d'ici. Attends, saute, saute. Hop. Ta-na-na-na-na-na-na. Parfait. Ok. Et attends, parce que, est-ce qu'à tout hasard, de l'autre côté de la truc, il n'y aurait pas un truc à récupérer? Oh, en tout cas, il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a un chemin. Ok. Tiens, toi, va-t'en. Va-t'en. Ok, attends, parce qu'il y a les autres derrière moi, là. Ok, j'aurais dû lui envoyer les autres dessus. Vas-y. Bah, du coup, tu vas me laisser passer, au final. Hop! Allez, je l'ai eu dans le dos! Il a cru que je l'avais laissé, mais non, c'était un leurre! C'était un leurre! Si j'échoue ici, je pourrais plus m'entraîner. Ok, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop! Ok, par contre, j'ai l'impression que c'est la suite, là, en fait. J'ai loupé ce que je voulais pas louper, en fait. J'ai loupé l'endroit en bas, parce que je pensais que ça, c'était pas la suite. Mais au final, c'était la suite, alors attends. Attends, 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 qu'est-ce qu'il y avait en bas de ce côté-là? Bah en fait, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout, par contre, je suis en train de voir que... Voilà, ici, il y avait un truc. Ah! Eh bah parfait, en plus, c'était pour le ruban. Clairement, j'ai bien fait de faire le demi-tour. Ok, je casse tous les pots aussi, comme ça, je me fais un max d'argent. Hop, vas-y, saute. Ok. Hop! Parfait. Bon, bah j'ai bien fait de faire le demi-tour, au final. Hop. Des fois, il faut rester appuyé longtemps pour qu'elle fasse un grand saut. J'avoue que ça, j'ai tendance un petit peu à oublier. Allez, let's go. On avance. Oh, j'ai bien fait de faire demi-tour. Hop. Oh. Maître, nous venons vous sauver. On arrive, on arrive. Ok, attends. Prends un petit peu de vie, là. Ok. Ah. On nous attaque. Tali Toupé, débarquez ici. Éliminez-la. Eh non, ça marchera pas comme ça. Hop, allez. Hop, oh bah parfait, j'en ai eu un là. Ok, lui il faut l'attaquer de dos en fait. Ah, punaise. Hop. Hop. Ou alors quand il attaque. Ok, vas-y, attaque-moi, attaque-moi. Hop.
Voilà, en fait c'est ça, c'est plus simple comme ça. Let's go. Hop, voilà, on shoot les uns avec les autres. C'est comme ça que ça marche. Yeah. Ah oui, attends, faut que je fasse ça en fait. Hop. Hop, voilà, parfait. Allez, saute, saute, saute. Bien. Saute, saute, saute. Saute, saute, saute. Attends, saute au poteau là. Allez, allez, allez. Ok. Allez, vas-y. Hop, attention, attention. Vous deux là, il en reste combien encore? C'est bon? C'est bon? Tout le monde a eu son compte? Ok. Alors, le maître. Tu as la technique d'une artiste martiale. L'ennemi est à l'intérieur. Sauve notre école. Très bien. Eh ben, allons-y. On rentre. Alors, tu es venu. C'est parfait. Fais ce que tu peux. Ok. Ok, attends. Mince, à chaque fois, je veux trop anticiper. Hop! Allez! 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 Et bim! Ok. Let's go. Pas mal, mais que feras-tu contre ça? Oh là! Qu'est-ce qu'il fait? Il a juste sauté, en fait. Hop! Ok. Ah, j'ai pas réussi. Ok. Parfait! Oh oui, 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 oui! Ouh, je peux vous dire que la pitch, il y a plus grand monde qui va l'embêter. Hein. Là, clairement, bon, par contre, on a fait n'importe quoi sur les étoiles. On a eu une sur deux, globalement. C'était une catastrophe. Mais bon, la pitch, elle est là, franchement, pour casser les figures. Bon, on en a manqué 5, on en a eu 6. On en a plus que la moitié. Et j'ai le ruban, c'est déjà pas mal. Mais j'avoue que... Ouais, j'aurais bien voulu en avoir au moins une ou deux de plus. Ça aurait été pas mal. Dans les petits fragments, là. Mais bon. Eh ben, très cool, ce nouveau gameplay, là. Et du coup, j'avais pas tilté, en fait, contre le boss. Au début, je spammais un petit peu tout le temps. Mais en fait, faut appuyer que quand il y a la petite étincelle. Et du coup, en fait, la deuxième fois, là, j'avais appuyé trop vite. Ok. Et du coup, waouh, une porte de plus. Allumée. Bien. Si on n'avait pas mis dans cette pièce. Et donc du coup, après, qu'est-ce qu'on aura? On aura un détective. On va refaire du détective la prochaine fois. Et du coup, ce sera certainement le deuxième détective. On verra. On verra, on verra. En tout cas, on a une nouvelle robe aujourd'hui. On va pouvoir tester cette nouvelle robe. Hop, parfait. Kung Fu, qui est très sympa en vrai. Qui est très sympa, hop, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau gameplay de la Peach Kung Fu. Là, en vrai, je pense qu'on en a vu pas mal des différents costumes de Peach. Il y en a peut-être encore des nouveaux. J'avoue que j'ai pas trop en tête de ce que j'avais vu un peu du jeu. On a globalement vu tous les costumes. Déjà, celui-ci, je m'en souvenais plus. Alors, je l'avais déjà vu, je crois, le visuel. Mais j'avoue que je m'y attendais plus, en fait. Mais très cool, encore une fois, un nouveau gameplay bien dynamique, là. Et on a quand même sauvé un étincelliste aujourd'hui, l'étincelliste voleur, où on a bien réussi le niveau, d'ailleurs. Donc, c'était plutôt cool, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre Let's Play sur Princess Peach Showtime. Et sur ce, bye tout le monde. N'oubliez pas que vous... Vous êtes géniaux.